Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à un paramètre très important du son et à côté duquel passent beaucoup de débutants, mais pas que. Il s'agit du médiator. Quand on débute à la guitare, on est souvent obnubilé par ce que l'on doit jouer sur le manche et comment le jouer à la main droite et ne pas rater les cordes, comment jouer toutes les cordes. Mais très souvent, on évacue un peu trop rapidement la question qui est de savoir avec quoi jouer. Alors on a tous eu cette expérience quand on a acheté notre première guitare, très souvent en magasin. Si le vendeur est sympa, et ben il vous offre quelques médiators. Alors on est content, ils sont de toutes les couleurs, c'est beau, on n'y prête pas plus attention que ça. On se dit que bah, de toute manière, un médiator c'est un médiator, ce n'est qu'un bout de plastique, que je joue avec l'un ou avec l'autre, c'est pareil. Le plus important c'est que je joue de la guitare, que je joue mes accords, que je joue mes notes, etc. Après tout, il y a bien des guitaristes qui jouent avec des pièces de monnaie. Donc la question du médiator, eh ben, on l'évacue très rapidement pour se focaliser sur d'autres points qui sont aussi bien sûr très importants. J'avoue, je plaide coupable, c'est ce que j'ai très longtemps pensé jusqu'à ce que j'y prête un peu plus attention et que je cherche vraiment ce qui me correspondait, ce qui me plaisait en termes de médiator, et on va voir ensemble les caractéristiques qu'a un médiator et en quoi le médiator influe sur le son. Avant toute chose, précisons que bien évidemment le choix du médiator va être très personnel et en la matière il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste votre choix. Alors le médiator c'est un élément très important sur lequel passent plein de guitaristes et qui est en réalité vraiment déterminant dans le timbre de votre instrument. Il va y avoir 4 points à prendre en compte dans le choix de votre médiator. Ça va être 1. Le matériau. 2. La taille, 3 l'épaisseur et enfin 4 la pointe du médiator. Numéro 1, le matériau. Alors vous avez sans doute déjà vu, il existe plein de médiators dans des matériaux vraiment très divers. La plupart des médiators que l'on trouve avec lesquels on a joué sont en plastique ou dans des dérivés de plastique. Mais il existe des médiators en métal, en bois, en pierre, en corne, bref, en verre même, je crois. Donc il y a vraiment plein de matériaux différents et le matériau dans lequel est fait le médiator va évidemment avoir un impact sur la sonorité de l'instrument. Par exemple, un médiator en métal va donner un son un peu plus brillant. Alors qu'un médiator en corne ou en bois, peut-être plus en bois d'ailleurs, va nous donner un son un peu plus sombre, un peu plus mat. Le deuxième point, ça va être la taille du médiator. Alors attention, là je parle de taille et pas d'épaisseur. L'épaisseur, on le verra après. Donc des médiators, que ce soit des médiators assez grands ou des médiators plus petits, comme ceci. Un médiator plus grand transfère davantage de force à la corde, à l'inverse d'un médiator plus petit. Donc un médiator un peu plus grand aura tendance à... on aura facilité les mouvements et donner moins d'impulsion, moins de force sur la corde. Mais néanmoins, un médiator plus petit aura cet avantage d'offrir un jeu un peu plus économique et un peu plus fluide. Troisième point, l'épaisseur. Alors généralement, on mesure l'épaisseur d'un médiator en millimètres. Les plus courants ont une épaisseur qui se situe entre 0,5 mm et 1,5 mm. Mais on peut trouver des médiators qui sont beaucoup plus larges. Pour ma part, le médiator le plus large que je possède dans ma collection de médiators, c'est un VPX Dimension qui fait 4 mm d'épaisseur. Et notez par ailleurs que VPX produit d'autres médiators encore plus épais qu'ils possèdent dans leur catalogue. C'est le médiator qui s'appelle Insanity et qui fait 11,85 mm. Alors l'épaisseur rend de fait le médiator beaucoup plus rigide.
C'est assez simple à comprendre, hein. Plus il est fin comme celui-ci, voilà. Il va être beaucoup plus flexible. Ça va aussi évidemment dépendre de la matière dans laquelle est fait le médiator. Mais si vous avez un médiator un peu plus épais, même dans la même matière, et ben forcément il va être un peu plus rigide. Un médiator plus épais va demander moins de mouvement pour attaquer la corde et peut donc être un avantage pour jouer vite. Si vous avez des plans très rapides à jouer, et ben ce sera peut-être plus facile de le faire avec un médiator un peu plus épais, entre 1 et 1,5 mm, que un médiator inférieur à 1 mm. Mais c'est pas tout, le timbre de la note va également changer avec un médiator plus épais. Alors grosso modo, c'est assez intuitif à comprendre, ça paraît tout bête, mais au plus le médiator sera épais et au plus le son paraîtra un peu plus consistant, un peu plus lourd, bref, un peu plus épais. A l'inverse, vous l'aurez deviné, avec un médiator plus fin, le son sera un peu plus brillant et paraîtra un peu plus fin. Par ailleurs, un médiator plus épais pourra aussi être plus adapté à certains riffs ou rythmiques qui nécessitent de les jouer plutôt au fond du temps, comme des rythmiques blues ou ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il sera un peu plus lourd et qu'il nous aidera à pas trop presser dans ce genre de rythmique. Quatrième point, ça va être la pointe du médiator. Alors ça va être la partie la plus importante, celle qui a un impact déterminant sur le timbre de la note. Alors au plus le médiator sera pointu et au plus l'attaque de la note va être tranchante. Pourquoi ? Parce que plus le médiator sera pointu et moins il y aura de surface à entrer en contact avec la corde. Le résultat sera donc un son plus brillant, plus clair et un peu plus articulé. C'est donc utile pour les improvisateurs qui jouent vite en aller-retour et qui ont besoin que chaque note soit bien articulée, bien définie, bien précise. A l'inverse, vous l'aurez deviné, un médiator un peu moins pointu donnera un résultat inverse, c'est-à-dire une attaque un peu plus douce, un timbre un peu plus sombre, un peu plus rond, un peu plus chaleureux. Alors maintenant, je vais essayer de vous faire entendre quelques exemples avec les différents types de médiators que j'ai à ma disposition. C'est toujours difficile avec ce genre de format vidéo YouTube de faire entendre les subtilités de ce genre de choses. Mais bon, j'espère que ça va passer un petit peu quand même. Et que vous allez pouvoir entendre les quelques subtilités qui existent entre les différents types de médiators. Mais je ne peux que vous encourager à faire vos propres expériences, à trouver un maximum de médiators. Et puis c'est surtout une question de sensation aussi d'abord. La sensation du médiator qu'on tient entre les doigts. Et puis le son que ça va produire sur son matériel avec sa guitare. Que ce soit une guitare acoustique, une guitare électrique, et puis avec les amplis et les effets qui vont avec. Bref, tout ça pour dire que c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux en fonction du style musical que vous faites et de votre technique de jeu. Alors le premier médiator que j'ai ici, c'est un médiator Dunlop en nylon. Assez souple, il fait 0,88 mm, c'est je crois le médiator le plus fin que j'ai en ma possession. Alors, autre point important à préciser avant de vous faire entendre le son, c'est que je vais essayer un maximum de jouer de manière assez identique pour toutes les démonstrations de médiator. Parce que ça joue aussi, il y a des fois, je ne mets pas forcément la même intensité, je ne joue pas forcément au même endroit sur la guitare, donc ça, ce sont des choses aussi qui changent le son, qui transforment et qui influent la sonorité de l'instrument. Deuxième exemple, c'est un VPX Fusion qui fait donc 1,5 mm d'épaisseur et qui est, je ne sais pas en quelle matière, c'est un mélange d'acrylique, voilà, un matériau assez transparent.
Autre exemple, cette fois-ci, c'est toujours un VPix. D'ailleurs, c'est VPix. Il n'y a pas de S à la fin. Le modèle, c'est un Snake, toujours dans cette même matériau acrylique. Et ici, donc, on est sur un Mediator qui est beaucoup plus épais, puisqu'il fait 4 mm. Autre exemple, c'est le Dunlop Jazz 3. Il fait 1,38 mm et il a la particularité d'avoir un bout assez pointu et d'être, comme vous le voyez, assez petit aussi. Autre exemple, toujours un VPIC, toujours dans ce même matériau acrylique. Ici, c'est un Mediator qui doit être aux alentours de entre 2 et 3 mm. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est vraiment, il a des bouts très arrondis, contrairement au Jazz 3. Donc, on va voir comment ça sonne. Autre curiosité, c'est toujours un VPIC qui s'appelle le Shredder Light, donc qui est assez fin, juste un peu plus épais qu'un Jazz 3, mais on est dans ces eaux-là, donc un peu moins d'1,5 mm. Et puis sa particularité, donc, c'est que il s'agit d'un triangle équilatéral. Voilà, avec donc des bouts très très pointus, encore plus pointus que un Jazz 3. Voilà, c'est vraiment très particulier, j'aime pas du tout. Enfin, dernier exemple, toujours un VPix. Ah tiens, cette fois-ci un S sur le nom. Voilà. Ils ont dû changer entre temps. C'est le 1980. C'est un Mediator donc qui est assez arrondi au niveau de sa pointe. Et puis, alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a certains Mediators qui sont un peu biseautés. Sur les côtés, il y a certains médiateurs donc, qui n'ont pas ce biseau. Et celui-ci, et pas mal d'autres médiateurs que j'ai, c'est le cas effectivement du Snake. On a les côtés qui sont légèrement biseautés. Et là encore, cette particularité qu'a le 1980, c'est que le matériau, donc l'acrylique, n'a pas été poli sur les côtés. Donc on a une texture un peu rugueuse. Voilà, j'espère que les différences entre tous ces médiators seront passées au travers de la vidéo. En tout cas, au sujet de l'expérience personnelle, quand on les joue, on sent véritablement une différence dans la sensation, dans la manière dont répondent les cordes, la sonorité générale de l'instrument. Il y a effectivement vraiment une différence et des différences notables. Voilà, juste pour une dernière comparaison très vite, je vais vous faire rapidement la comparaison entre le Mediator, par exemple, le plus fin, et le Mediator le plus épais que j'ai.
rapidement compris, le médiator est un élément essentiel dans la sonorité de votre instrument. Et qu'au lieu de rechercher la bonne pédale qui vous donnera le son tant recherché, eh bien, peut-être faudrait-il se poser la question suivante. Ai-je le bon médiator? Et ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, et ça va dépendre de plein de critères. Par exemple, jouez-vous plutôt sur guitare électrique, sur guitare acoustique? Faites-vous davantage d'accompagnement que de solo? Quel style de musique jouez-vous? Quelle technique instrumentale préférez-vous et utilisez-vous le plus souvent? Aller-retour, sweeping, legato et plein d'autres choses. Bref, tout ça est à prendre en compte dans votre choix. Alors par exemple, on se rend compte que il y a un médiator, une référence de médiator qui revient très souvent, c'est celle du Dunlop Jazz 3, qui est plébiscité par certains shredders métalleux, mais pas que. Et shredder métalleux n'est absolument pas un terme péjoratif, attention. C'est le médiator de choix de John Petrucci, par exemple, mais aussi de Michael Angelo Battio. Si, vous savez, c'est ce gars-là. Oui, bon, bah, là, en l'occurrence, il joue pas avec un médiator, mais bon, quand il joue avec un médiator, il joue avec un Jazz 3. Mais c'est aussi le médiator qui est plébiscité par des guitaristes comme Eric Johnson ou encore Joe Bonamassa. Alors pourquoi le Jazz 3? Qu'a-t-il de particulier et pourquoi est-il aussi prisé? Bien, si on reprend les points présentés précédemment, on se rend compte que ce médiator a toutes les caractéristiques qui correspondent d'une part au style musical et d'autre part aux techniques instrumentales utilisées par les guitaristes que j'ai mentionnés précédemment. Alors il est pointu. Donc il nous fournit une attaque très tranchante, une bonne définition, une bonne articulation des notes. Il est relativement épais, il fait 1,38 mm. Et donc du coup, par rapport à des médiators plus fins, il demande un peu moins de mouvement pour attaquer la corde et permet du coup de jouer un peu plus vite. Et enfin, il est plutôt petit, c'est un médiator assez petit, et de ce fait, il permet un jeu un peu plus économique et un peu plus... Pour ma part, j'ai acheté mes premiers Jazz 3 tout récemment parce que voilà, c'était une référence qui revenait assez souvent. J'aime beaucoup Joe Bonamassa par exemple, et donc je sais qu'il joue sur Jazz 3. J'en ai acheté quelques-uns récemment pour les tester, les essayer. Et puis, de prime abord, ça ne correspond pas véritablement à mon jeu et à mon style. Pourquoi ? Parce que d'une part, moi j'ai un jeu en tout cas sur mon jeu, on va dire, un peu jazz fusion, si je peux le dire ainsi. Mais je joue pas beaucoup en aller-retour. Je suis très mauvais en aller-retour. J'ai jamais vraiment travaillé ça. J'aime bien l'entendre chez les autres, mais c'est pas quelque chose qui me plaît dans mon jeu en tout cas. Donc je joue plus en legato. Je préfère quand même des sonorités un peu plus rondes, un peu moins tranchantes, un peu moins d'attaque, un peu moins brillantes. Donc du coup, finalement, je me retrouve avec ce médiator qui ne correspond pas véritablement à mon jeu et à ma technique instrumentale. Et par ailleurs, je préfère des médiators qui sont un peu plus épais que le Jazz 3. Par exemple, actuellement, les médiators que j'utilise le plus, notamment en solo, c'est des VPX. Il y a le Fusion qui fait 1,5 mm et le Chicken Picker qui fait aussi 1,5 mm. Pour un répertoire un peu plus blues, un peu plus rock, j'ai tendance à préférer des médiators qui sont un peu plus épais, donc plus de 2 mm, entre 2 et 3 mm, un peu moins de 3 mm. Je préfère ce type de médiator quand j'ai besoin de jouer quelque chose de plus rock et plus blues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante.
Et puis finalement, j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser davantage au Mediator et ne plus vous dire « Bon, bah, de toute façon, un Mediator, c'est un Mediator, que je prenne l'un ou que je prenne l'autre, de toute manière, c'est la même chose, ce n'est qu'un bout de plastique. » Oui, c'est un bout de plastique, mais c'est un bout de plastique qui a son utilité et qui est vraiment déterminant dans la production du son de votre instrument. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type de Mediator que vous préférez, que vous utilisez le plus souvent, que ce soit la forme, la taille, l'épaisseur, la marque, que sais-je encore. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.